Au sommaire de cette édition, l'évêque Olivier Nailly de la Maison de la Grâce chez l'archevêque Guy Vincent Kodja, président de la conférence des évêques pentecôtistes. Les nourrissons de la maternité de l'hôpital général de Koumassi, né le 24 juillet, reçoivent un don de Jeanne Niamian, professionnel de la communication en service à Beni TV. Et puis en Tunisie, la nouvelle constitution approuvée par 96,4% des votants. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes sur Beni TV et vous suivez le journal. Une forte délégation conduite par le fondateur de la Maison de la Grâce, l'évêque Olivier Nailly, a été reçue en audience par le président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, l'archevêque Kodja Guy Vincent. Bientôt, une banque chrétienne en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, l'archevêque Kodja Guy Vincent. Voilà la première raison de la présence au siège de cette communauté située dans la commune de Cocody d'une délégation de 50 pasteurs. Et ils sont issus de l'église La Maison de la Grâce, dirigée par l'évêque Olivier Nailly. En général, quand les chrétiens commencent quelque chose, les autres se désolidarisent, alors que ensemble nous sommes forts. Et c'est le message que son éminence l'archevêque vient de donner tout à l'heure au fils de l'évêque Nailly. Les enfants spirituels de l'évêque Olivier Nailly se réjouissent de la création de cette structure financière en milieu chrétien. Avoir une banque chrétienne qui va nous faire des prêts, vraiment c'est bienvenu. Donc nous soutenons ce projet, nous acclamons ce projet et plus Dieu faire que ce projet vraiment voit le jour. C'est les hommes du monde qui ont des influences dans les banques. Mais si déjà une banque chrétienne s'installe, je pense que ça va faire du bien au corps du Christ. On prêche, c'est vrai. Mais tant prêcher, quelqu'un qui est malade, qui a faim, tu fais comment? Faut qu'il mange. Non, vraiment, que mon âme est de l'argent en fait pour ce projet-là. Que Dieu bénisse sincèrement mon père spirituel, l'évêque Nain. Et mon grand-père, l'archevêque Kodja Guy Vincent. Cette audience avec l'archevêque Kodja Guy Vincent avait également pour but de lui présenter les pasteurs de la Maison de la Grâce. Et ils sont établis sur les églises de Cocody, Bonois, Dimbokro, San Petro et Yopougon. Et ils se mettent à la disposition du porteur de cette vision. Nous, à notre niveau, avec un réseau de plus de 700 fidèles, nous avons décidé de nous engager dans sa vision. Donc l'impact, c'est quoi? C'est de sortir de la pauvreté et de la misère. C'est un peu ça. Et donc, c'est pour permettre aussi au rayonnement social des chrétiens. Et moi, j'encourage tout le monde à souscrire à ce projet qui va bientôt prendre jour. J'ai la foi pour le monde chrétien et pour le bonheur du corps de Christ. C'était en outre l'occasion pour l'évêque Olivier Nailly de traduire son affection à travers ce cadeau au président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, archevêque Kodja Guy Vincent. Rendons-nous à présent à l'église La Bonne Semence où les mamans ont été célébrées lors du culte d'action de grâce de ce dimanche en présence de la prophétesse et fondatrice de cette communauté religieuse, Nampé Solange. Suivons ensemble ce reportage. Des alléluia qui montent ainsi vers le ciel. Il y a de quoi, ici, à l'église évangélique La Bonne Semence de Dieu, d'Ancré Château, dans la commune de Cocody. Ces femmes sont en fête à l'occasion de la journée locale des mamans de cette communauté. Pour la circonstance de ces ventes de l'Éternel, ont été cooptées par le Saint-Esprit pour édifier les convives. Oh!
une suite, la fondatrice de cette église, prophétesse Nampé Soulange, a saisi la lucarne pour prêcher l'évangile aux nouvelles âmes. Si je suis le père dans ta vie, réponds. Regarde à ta vie. Le père qui est quelque chose de moi, invite Jésus dans ta vie, afin que ta vie soit meilleure. Cet événement a été également marqué par diverses prestations dans une ambiance bon enfant à la gloire du Tout-Puissant. Le bonheur de ces femmes est indéniable au thème de ce programme. Dis merci à Dieu qui a permis que nous assistions à ce programme. Et je bénis le nom de Dieu pour sa servante, la fondatrice de cette mission, l'église La Bonne Semence, qui nous donne l'occasion de participer à un grand programme. Vraiment que Dieu bénisse sa servante. Et que Dieu lui donne la force toujours d'organiser ces programmes-là afin de nous faire du bien. C'est par la bénédiction de ses mamans que ce moment festif a pris fin. Autre chose à présent, la remise de dons aux nourrissons nés le 24 juillet à la maternité de l'hôpital général de la commune de Koumassi. C'est une œuvre de générosité d'Eugène Niamian, professionnel de la communication en service à Béni TV, qui commémorait ainsi son anniversaire. Priscille Séan signe ce reportage. Il est professionnel de la communication de son état. Lui, c'est Eugène Niamien, car c'est de lui qu'il s'agit. En service à Béni TV, il a tenu à matérialiser la commémoration de son anniversaire célébré ce 24 juillet à travers un don symbolique destiné aux nouveau-nés et aux sages-femmes de la maternité de Koumassi. Recevant ce don, ces femmes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est un grand jour pour M. Niamien et aujourd'hui, vraiment, il a honoré nos belles mamans qui ont accouché à l'hôpital général de Koumassi. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous sommes vraiment satisfaits de son action. On prie Dieu pour que ses actions puissent se répéter chaque fois dans notre hôpital, dans notre structure, surtout à la maternité de l'hôpital général de Koumassi. Et vraiment, on dit encore merci à M. Niamien, joyeux anniversaire encore, beaucoup, beaucoup d'années. Merci à M. Niamien pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Je salue M. Niamien et je lui remercie pour ce joli cadeau qu'il a offert à ma voisine. Vraiment, je dis merci à Papa Niamien, à Maman Zansa, à Béni TV pour ses dons. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je dis merci à Papa Niamien, que Dieu lui donne longue vie, santé, que ses affaires marchent. Je dis aussi merci à Béni TV. L'initiateur de cette action de bienfaisance veut par ce geste exprimer sa gratitude à Dieu et à tout le personnel de l'hôpital. Cette action que nous venons de poser est une action de grâce. Nous venons donc dire merci à Dieu pour les 1 an de plus. Nous sommes là également pour bénir la vie de ces enfants qui viennent de naître en ce jour. Je tiens aussi à remercier l'hôpital général de Koumassi. Les années à venir, nous croirons que nous ferons encore de grandes choses. Cette activité a bénéficié de l'appui de la Fondation Bénédicte Hakon, qui œuvre elle aussi aux côtés des personnes démunies. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'État d'Israël, Son Excellence Léo Winoveski, a été reçu par le président de la Chambre de commerce. Voici le compte-rendu de l'équipe de reportage de Béni TV. On va manger un peu de poulet braisé. Voilà. Des poissons braisés qui sont les symboles de la Côte d'Ivoire. Et nous avons voulu partager ces symboles forts avec vous avant que vous ne retourniez. Merci encore d'être présent. Après 3 années de mission diplomatique en terre ivoirienne, l'ambassadeur d'Israël, Léo Winoveski, quitte définitivement la Côte d'Ivoire. En prélude à son départ, le diplomate israélien part faire ses adieux aux autorités et autres entités ivoiriennes. Ainsi, vendredi dernier, il était l'hôte à un déjeuner offert par le président de la Chambre de commerce, Joseph Dendji,
à la rivière Bonoumé, dans la commune de Cocody. Après un court échange entre les deux hommes, le premier responsable de la chambre de commerce, entouré de ses plus proches collaborateurs, a dégagé le sens profond de cette réception. La chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël a voulu manifester son amitié, sa reconnaissance, et j'allais dire au revoir à son Excellence l'ambassadeur. C'est vrai que la Chambre est née sous son prédécesseur, mais c'est avec lui que nous avons fait nos premiers pas, nos premiers grands pas, j'allais dire. Et il s'en va avec beaucoup de tristesse, comme il a dit, nous aussi nous sommes tristes. Mais nous souhaitons, nous pensons que les relations se sont accrues. Aujourd'hui, Israël est encore mieux connu en Côte d'Ivoire. Les grandes entreprises ont fait leur entrée à travers de grands projets gouvernementaux et même des relations privées, particulières, particulières. Et nous, Chambre de commerce, c'est ça qui nous intéresse. Pour le diplomate hébreu, ce déjeuner est tout simplement le prolongement des liens entre Israël et la Côte d'Ivoire. C'est le moment de retourner à Israël. Mais même si je quitterai la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire ne quitterait pas de mon cœur. Et aussi, bien sûr, grâce à les activités, l'amitié de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. En fait, la première fois que je me rencontrais avec Monsieur le Président Joseph, c'était à Tel Aviv, à l'occasion de la délégation d'affaires ivoiriennes qui arrivait à Israël pour le séminaire économique d'affaires, là à Tel Aviv. Depuis cette fois, à Tel Aviv, nous parlons de travailler ensemble. L'ambassadeur Léo Bunoveski représentait non seulement Israël en Côte d'Ivoire, mais également le Bénin et le Burkina Faso. Parlons à présent de cette journée d'excellence à l'école nigériane Fountain Mission International School. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2021-2022 ont tous été primés lors d'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée aux sapeurs-pompiers militaires de la commune d'Adjamé. Jean-Jacques Liamke. L'ambiance était au rendez-vous samedi dernier à la faveur de la cérémonie de graduation des élèves de l'école privée nigérienne Fountain Mission International School que dirige le vénérable Uchenna Josiah Okoye. Après une longue année émaillée de difficultés, ces jeunes apprenants ont été célébrés en présence de parents, amis et encadreurs. Ils ont tous fait preuve de résilience pour réussir avec brio à leurs différents examens sanctionnés par des remises de diplômes et de certificats d'admission. Cadre choisi cette année, le terrain de basket du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. Peu avant le début de cette cérémonie, le fondateur de la dite école, Uchenna Josiah Okoye, a situé le sens de cette rencontre avant de prodiguer de sages conseils aux élus du jour. Nous vous célébrons ainsi que vos parents en ce jour parce que vous avez marché et travaillé ensemble. Vous êtes donc prêts et remplis de volonté. Vous êtes des élites sur qui le monde peut aujourd'hui compter. Que vous continuez d'être impactés positivement, remplis de compassion et d'objectivité. Soyez des leaders qui travaillent avec ferveur afin d'être des ambassadeurs de notre école. Située dans la commune d'Abobo, cette école dispose d'un cadre d'études sain, d'un personnel administratif engagé à inculquer des valeurs éducatives et chrétiennes avec une attention particulière accordée à la réussite scolaire. Nous sommes très heureux car le chemin que nous avons entamé ensemble s'est achevé dans la joie. Vu tout le stress que nous avons accumulé, nos enfants ont été gradués aujourd'hui. Nous disons merci à l'école, au fondateur ainsi qu'à son épouse pour tous leurs efforts et tous les tests qu'ils font soumettre à nos enfants pour rester les meilleurs en Côte d'Ivoire. Nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il motive les encadreurs afin de continuer à mieux enseigner nos enfants. Vraiment merci pour tous les efforts consentis et merci aux enfants qui ont été obéissants. Fountain Mission International School
offre à ses élèves des opportunités exceptionnelles qui développent leurs connaissances, leurs compétences et leur vie spirituelle grâce à un programme de base rigoureux et un large éventail d'activités parascolaires. Session du baccalauréat 2022. Les résultats sont connus depuis ce mardi. Vous avez dans nos précédentes éditions suivi avec nous les délibérations dans un centre d'Abidjan. À présent, mettons le cap sur la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Scène de joie, liesse populaire. On s'embrasse les uns les autres, c'est le délire. Nous sommes au cœur de la proclamation des résultats du baccalauréat 2021-2022 dans les lycées 1 et 2 de Bondoukou. Ces élèves viennent de décrocher leur précieux sésame qui leur ouvre directement les portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire de prestige et de renommée internationale. C'est une joie indescriptible pour certains qui n'arrivent pas à l'expliquer. Oh, je suis fier, je ne sais plus quoi dire. Ça fait trois fois. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je viens juste à peine de valider mon bac. Je suis vraiment fier de ça, je suis content, je suis heureux. Je ne sais pas comment pendant mon plaisir à faire. Ça me fait trois fois, cette année Dieu m'a fait grâce à marcher. J'ai chômé, mais je croyais que le monsieur qui est là-bas, là, il était là. Aujourd'hui, cette année, il a pensé à moi. Je lui dis merci. Ma quatrième année que je suis passé le bac. Quatrième année, et je n'ai pas dit à mes parents. Mon papa et ma mère ne savent pas que j'ai passé le bac cette année. Je dis merci à Dieu, car ça fait la troisième année. Et grâce à Dieu, cette année, j'ai validé avec 211 points. Le bonheur de certains contraste avec la déception de d'autres, qui n'arrivent pas à trouver les mots pour expliquer leur échec. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bondoukou enregistre un taux de 32,8% de réussite au titre de l'année scolaire 2021-2022. Une hausse de plus de 4% du taux de réussite, contrairement à l'année dernière qui se levait à 27,90%. Chose qui satisfait le premier responsable, Koulibaly Nafo. Les résultats de la région de Bondoukou sont, à mon avis, satisfaisants. Cette année, nous avons glané quelques points en plus. Et je suis vraiment ravi de ces résultats et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous mes prédécesseurs qui ont abattu ce travail énorme parce que ce n'est pas une année seulement qu'on peut obtenir des résultats probants. Il faut du travail et ce travail a été fait par tous mes prédécesseurs, ça a été fait par tous les enseignants. Donc je voudrais dire merci à tout ce monde-là pour le sérieux que nous avons mis au travail. Au total, c'est 6444 élèves qui ont pris part à ces compositions dans la Drina de Bondoukou, repartis dans 13 centres dans toute la région. Le taux national de réussite est estimé à 30,78%. Ce taux de réussite est en hausse par rapport à celui de 2021, qui était de 29,24%. Hors de nos frontières, en avril dernier, il avait été condamné par contumace à la perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a donc demandé pardon ce 26 juillet 2022 à la famille de son prédécesseur disparu. C'est un acte de contrition des plus inattendus. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, présente aujourd'hui ses excuses à la famille de son prédécesseur, Thomas Sankara. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara. Blaise Compaoré avait été condamné par contumace le 6 avril dernier à la prison en perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il était arrivé au pouvoir au Burkina à la suite d'un putsch en 1987 où Thomas Sankara avait trouvé la mort. S'en sont suivis 27 ans de règne pour Compaoré. En octobre 2014, de violentes émeutes avaient éclaté alors qu'il voulait se maintenir au pouvoir, le forçant à l'exil. À la surprise générale, il était revenu début juillet à Ouagadougou, invité par la junte. C'était la première fois en 8 ans qu'il foulait le sol de son pays. Une visite fustigée par de nombreux membres de la société civile et la famille de Thomas Sankara. Une question reste en suspens. Ces excuses permettront-elles d'éteindre les critiques à son encontre? La famille n'a pas réagi pour l'instant à la demande de pardon de Blaise Compaoré.
L'explosion d'une bombe au nord-est du Nigeria fait 13 morts. L'engin explosif a été découvert par des récupérateurs de métaux issus d'un camp de déplacés de la ville de Bama, située dans le nord-est du pays. 13 d'entre eux sont morts alors qu'ils tentaient de déterrer le vieil appareil et 3 autres sont gravement blessés. L'explosion d'une bombe dans le nord-est du Nigeria fait 13 morts. L'engin explosif a été découvert par des récupérateurs de métaux issus d'un camp de déplacés de la ville de Bama dans le nord-est du pays. 13 d'entre eux sont morts alors qu'ils tentaient de déterrer le vieil appareil et 3 autres sont gravement blessés. Bama est située dans une région qui a connu un conflit prolongé entre le gouvernement nigérian et les insurgés djihadistes. La bombe a explosé alors qu'il la poussait dans un chariot en direction de la ville, a déclaré un responsable d'une milice anti-djihadiste locale. Selon lui, ces munitions avaient apparemment été larguées en 2015 lorsque l'armée avait bombardé des positions djihadistes lors des opérations visant à reprendre Bama à Boko Haram. Les habitants qui avaient fui la ville sont revenus 3 ans plus tard et beaucoup d'entre eux vivent dans des camps de déplacés, la ville ayant été détruite pendant les affrontements. Vivant dans des camps, certains d'entre eux qui dépendent de la nourriture distribuée par les organismes d'aide finissent par fouiller pour trouver des déchets métalliques qu'ils vendent pour acheter de la nourriture. Les djihadistes s'en prennent à ces collecteurs de ferraille qu'ils accusent d'espionner les troupes et les milices qui les combattent. L'armée nigérienne se bat pour mettre fin à une insurrection djihadiste vieille de 13 ans dans le nord-est du pays. Elle a tué plus de 40 000 personnes et en a déplacé 2,2 millions d'autres. En Tunisie, une nouvelle constitution a été approuvée par 96,4% des participants au référendum selon les résultats préliminaires. Un peu plus de 26 millions des 9,3 millions d'électeurs de ce pays ont donc soutenu la nouvelle charte qui confère des pouvoirs étendus au président. En Tunisie, une nouvelle constitution a été approuvée par 96,4% des participants au référendum selon les résultats préliminaires. Un peu plus de 2,6 millions des 9,3 millions d'électeurs du pays ont donc soutenu la nouvelle charte qui confère des pouvoirs étendus au président Kais Saied. Les rivaux du chef d'État tunisien ont accusé de fraude le conseil électoral contrôlé par ce dernier, déclarant que le référendum organisé lundi avait échoué. Mesdames et messieurs, chers invités, le nombre total des inscrits au référendum du 25 juillet a atteint 9 278 541 électeurs, représentant tous les Tunisiens que l'on peut qualifier d'électeurs. La Haute Autorité indépendante pour les élections déclare l'acceptation du texte du nouveau projet de constitution de la République tunisienne soumis à référendum conformément à l'article 117 de la loi fondamentale. Si 84,6% des bulletins validés ont dit oui à la nouvelle constitution, le taux de participation est lui de 30,5%, a révélé la commission électorale de Lisieux mardi soir. L'élection s'est déroulée en Tunisie et hors de Tunisie sans heurte et sous une organisation serrée. Et malgré les doutes émis par certains sur la préparation de l'autorité et l'indépendance de sa résolution, outre les tentatives de confusion et d'égarement qui se sont intensifiées ces derniers jours. Le vote de lundi est intervenu un an jour pour jour après que le président Kais Saied a limogé le gouvernement et suspendu le Parlement. Pour certains Tunisiens, ces mesures ont suscité la crainte d'un retour à l'autocratie, mais elles ont été bien accueillies par d'autres, lassées par une inflation et un chômage élevé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre Béni TV. Béni TV, première chaîne chrétienne panafricaine. Ce journal a été réalisé par Armel Atsin, Antoine Amand, Rebecca Kobéi et Astrid Atienio. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt.